L'exploration perdue est un jeu d'exploration et de survie. Elle retrace la route de l'explorateur Percy Fawcett à travers l'Amazonie. La fontaine de Jouvence en est la première extension. Elle comprend 4 modules à ajouter au jeu. La fontaine propose 12 nouvelles cartes à mélanger avec celles du jeu de base. Des conquistadors zombies s'ajoutent aux difficultés de la jungle. Entre les maladies, les bêtes et les morts-vivants, les joueurs risquent d'avoir du mal à avancer. La plupart des cartes sont hostiles et font perdre de précieuses munitions, de la nourriture ou des points de vie. Cette extension augmente la difficulté d'un cran. Dans la montagne, les cartes expédition sont remplacées par des cartes représentant une montagne. Les joueurs doivent la passer avant d'atteindre Eldorado. Le nombre de cartes pentes dépend du niveau de difficulté. Si les joueurs se déplacent sur une carte face cachée, ils la retournent et appliquent son effet. Il peut être positif, négatif ou ne rien faire. Lorsqu'ils atteignent le sommet de la montagne, les cartes de descente sont révélées. Le module Nouveaux Amis facilite le jeu en ajoutant de nouveaux personnages. Ils ont tous leurs spécialités. Komatsu est un spécialiste de chaque domaine. Vulcana est tellement forte qu'elle a 5 points de vie. Par contre, elle n'a aucune spécialité. Le chien Rinty peut perdre un point de vie pour défausser la dernière carte de la file. Au début de la partie, l'un d'eux est pioché au hasard en tant que 4e membre de l'expédition. La marque ajoute 6 cartes aventure et une carte homme-bête. Une force étrange maudit peu à peu les aventuriers et les transforme en monstres. Les cartes aventures sont mélangées à celles de base lors de la mise en place. Lorsqu'un effet avec un symbole de pâte est utilisé, la carte d'homme-bête est placée sous un personnage. Si un second effet avec ce symbole est activé, le personnage se transforme. Il perd sa spécialité, mais peut ignorer un symbole balle en échange d'un point de vie. Pour résumer, la fontaine de Jouvence ajoute 4 modules très différents, qui renouvellent le jeu et rendent l'aventure plus simple ou plus complexe.